qui vient rendre hommage à sa belle-sœur. Aux funérailles et nous offrons nos condoléances aux enfants et à la famille. Ghislaine est née le 19 mai 1942. Elle était la huitième d'une famille de 14 enfants. Elle avait 10 ans quand son père est décédé. Elle allait fréquenter l'école du Rhin. Après, elle a occupé différents emplois, entre autres à Québec et à Montréal. Elle s'est mariée le 27 octobre 1962 à l'âge de 20 ans, avec Paul-Guy Guilmette, par une journée de tempête où il a tombé 18 pouces de neige. De cette union sont nés 6 enfants, 4 garçons, 2 filles. Son conjoint travaillait à la Beurie Grégoire et ensuite à Greenough comme mécanicien de machinerie lourde. Ils ont déménagé à quelques reprises pour finalement s'installer au village de Saint-Léon. Ils ont vécu de belles années ensemble et se sont séparés en 1981. Elle n'a pas connu une vie de luxe, mais elle a toujours gardé courage et s'est entièrement dévouée pour élever ses enfants et en faire de bons citoyens. Apparemment, elle était bonne cuisinière. Au dire de ses enfants, c'était les meilleures tartes au sucre qu'elle ait jamais mangées. Ce qui est remarquable chez elle est sa bonne humeur et son magnifique sourire. Lorsque les enfants étaient légèrement indisciplinés, au lieu d'élever la voix, elle disait « Attendez que votre père arrive ». Mais ça n'allait jamais plus loin que ça. Elle aimait recevoir de la visite, surtout de Montréal, où résidaient ses deux sœurs. Elle les accueillait toujours avec grand plaisir et tous ensemble, il faisait bon se rencontrer. Même dans les épreuves et les moments difficiles, elle était là pour se retrousser les manches et venir en aide aux siens. Quand les enfants sont devenus de jeunes adultes et qu'elle se retrouvait seule, c'était une personne anxieuse qui avait peur du vent, du tonnerre et des orages électriques. C'est à ce moment-là que ses petites filles allaient coucher avec elle ou elle allait coucher chez Yves ou chez Benoît. De là est née une grande amitié avec la belle-mère de Benoît. Chaque enfant a contribué au bien-être de leur mère en effectuant différentes tâches comme le ménage, la peinture, la menuiserie. Malheureusement, avec le temps, elle a développé la maladie d'Alzheimer. Ce fut très difficile pour ses enfants et la famille. Elle a quitté sa maison le 29 décembre 2014 pour la résidence Notre-Dame de Bourgogne, où elle a résidé pendant 6 ans. Puis a été transférée au CHSLD de Saint-Raphaël pendant 1 an et demi. Malgré tout, elle a vécu sa maladie avec courage et elle nous a quittés le 1er février entourée des siens. La gravité de sa maladie ne lui permettait pas d'être consciente du décès de sa fille Edith en décembre 2022. Nous garderons d'elle le souvenir d'une maman dévouée, généreuse, et courageuse. Merci pour ton dévouement et ce que tu as apporté à chacun de nous. Tu resteras toujours dans nos cœurs en espérant te revoir dans l'autre vie, celle qu'on appelle le paradis. Tes frères et tes enfants ainsi que tes frères et sœurs. Merci. Maintenant.